Aujourd'hui, la première leçon à tirer, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est actuellement, c'est en 2024 que maintenant, bah, au terme, ce qui a bien gamata, bien gamata. Au moins, cher, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu de la mort. Arrêtez de présenter vos femmes parce que monde tobunda est un monde d'habitumba. Les diables rôdent tout autour de nous. Ils ne cherchent pas qui tu es, ils cherchent qui il va dévorer. Maningala tobaka balaki sakanganga na yo na miso batu tenganga sozo travail match balaki sakaita. Il avait trop montré au diable où se trouva son talon d'Achille. Si que ce que je moi si au présenté. Ton mwana au présenté. Au lobby que au coco vivre ce qui mwana na zate. C'est ce que tu viens d'étaler devant le diable de ta faiblesse. So tu ni passé sonik a futa. Hein? Pasteur. Et là on est dans ministère de troubles yo kolika. Il va ramunyo so kolika même agronomie. Alain. Sonik a futa bi sezale. Moi si. Ke n'est pas ene nanga. Parce que mutombo kalombo. Tout le monde n'a pas et là, on a pu tout ça au ministère. Alors, c'est l'agente féminine. Qui n'est pas pasteur Jean Bosco Kindomba. Tout le monde. Et là, on n'est pas d'église. Et là, il y a un problème dans Katawa. Le problème est là. S'il est sincère, il te dira c'est la femme. J'en profite pour la repasser à conseil. Je ne sais pas si je suis pas dans le ministère. Je ne sais pas si je suis dans le ministère. Tu peux représenter moi. Parce que le monde est bon. Les amants d'Abitumba, les diables rôdent tout autour de nous. Faiblesse à monter dans la montée. Alors, il y a Ndeko Marcelo et Mounanaki. Il en a tellement exposé au point où le diable lui a fait dire ce qu'il craint. Diable, à Zobundi Sabiso, il cherche à savoir où se trouve notre faiblesse. Que l'homme de Dieu en avait fait de trop. Il avait trop exposé, maman. Il faut arrêter au ministère. On se dérange. On se botte pas brebis. Hier, après, à son Luka, où se trouve vraiment sa faiblesse. Ce qui est en mouillé à côté à ma casse, c'est parce que Azana source mon concours la pesa. Parce que maintenant, il avait tellement exposé son trésor que le diable a dit oui, le col la job. Tu robotes la yaka kabilo ko yazolinga. Nous sommes au Zomouna. Ce qui va l'obéir aux vérités, tout le monde en côté. Et puis, basse à basse à Nanzambe. Pour nous, quand on a mis une minute, on a une visibilité dans quatre églises. On a dit que le banaïe, ça n'a pas passé. Alors, il y a tellement de bêtes, vous voyez. Hein? Maman Zate. Est-ce que vous avez un peu de temps? Dans qui tu vois, tu vois que le diable vient de les lancer un défi. C'est maintenant que le ministère de Marcelo Tounassi commence. Parce que. Le lieu de prédilection par lequel le diable peut frapper un homme de Dieu, c'est son foyer. Le copain Sabiso Maïel était que bon le rebond Barabbas Sinabino. Regardez parmi les 12 apôtres, mini apôtres Batanga Kumba Masina. Qui va prendre la relève? Nanango akokita na mosala. J'ai dit na lobby. Mais j'ai un fils. Nazali na mwana nanga ya mobali. Son nom est qui? Qui? Carlos. Moi la nanga mobile azali combo naye ezali nani? Nani? Carlos. Carlos. Côté y a bien koloba français et la qui cité que tu es qualifié pour le ministère. Samuel fut un grand prophète, mais moi Samuel a remplacé. Parce qu'il y a des manifestations quand Dieu choisit quelqu'un. Mais ceux qui ont le lobby, et vous allez à la au supplice, c'est ça, c'est cet esprit. Remarquez que erreur y'a l'Iboso, résolution électorale, banani bandimi, c'est une erreur. Autre monde, il y a un pasteur, c'est-à-dire appréciation personnelle. Le patrimoine spirituel, c'est lorsque vous sommes église, mais dans le combo, il y a église, cette parcelle appartient à la communauté, point d'interrogation, ou cette parcelle appartient à moi. On ne choisit pas un homme de Dieu selon la résolution des hommes. Bisso Toronto City VIP de Maluku.
Tous à non loin en zone économique, pene pene ya cité Vodacom. Tous à awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision. Bienvenue, merci infiniment à vous qui avez choisi nos chaînes comme étant des chaînes de votre choix. Comme vous le savez, aujourd'hui on sera au point de plusieurs révélations. Encore une fois de plus, nous disons merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Il y a Jordan qui est au four et au moulin. Clin d'œil spécial à Gédéon ainsi qu'à Corneille. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la Fondation Dès le cœur de la nation ainsi qu'à l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui avez un grand cœur, Fondation Alendele na orphelina Christ Rédempteur, ba na posa na bino, ba na posa li sungi na bino, ba no baboti bakenda, ba no bazala moya ko tanga te, ba to ba na besoin li sungi, bino ba to wala mité ma malamu, to na posa ya li sungi na bino na orphelina Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendel. Kanise loko. Eza yondo lobakie, ozanzambe abana bitike, yomoko lobakie, osunga kabasi bakufe la mibali, onanini pasi abuye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça, c'est une bénédiction pour vous. Pour votre famille, que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, profitons de cette occasion, bien sûr, pour prendre cette page rose. Nous souhaitons un heureux anniversaire, bien sûr, à Christonvie Ngongo et Méthode Akawa. En tout cas, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et surtout, profitez bien de ce jour parce que c'est un jour très très spécial de la part de Jordan Panzo. Joyeux anniversaire, Christonvie Ngongo. Et joyeux anniversaire à Méthode Akawa. Merci beaucoup. Alors, nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un éminent serviteur de Dieu, évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien, qui nous revient aujourd'hui. Nous étions bénis dernièrement et je crois qu'aujourd'hui, il sera encore au point de plusieurs révélations. Et vraiment, c'est une bénédiction pour nous. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit, mais papa là, toi qui passe le temps avec papa Roger Baka, au moins on a monstre, on dirait Maël est né et l'éka. Ah, nous rendons grâce à Dieu. Et je crois que ceux qui nous trouvent ça sont reconnaître en Goboué. Et ça, malamou ming, et surtout pour notre nation. Alors, avoir des gens qui ont cette facilité de dire, c'est que les gens disent tout bas, il y a un courage à Kolobango, tout, je pense que il y a ça la masse équité. Plusieurs tentatives, plusieurs menaces, mais il ne baisse jamais le bras. Il est toujours là, déterminé et il affronte. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Delay, apôtre des gentils, que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous tous, je dois l'avouer, je reçois beaucoup d'encouragement et sachez-le que ça me va droit dans le cœur. Il y a des gens qui me disent, Roger, tu es la bénédiction pour la nation. Roger Baka, tu es la bénédiction pour le monde entier, tu es une bénédiction pour l'Église. Ça ne devait pas vraiment trop nous donner les épaules. Ce que ça devait faire, c'est de nous rendre capables de comprendre que nous avons une lourde responsabilité
vis-à-vis de l'œuvre que Christ nous a accordée. Et que l'Éternel Dieu fait que beaucoup comptent sur toi, dans la période où l'Église où se traversait Molili na yango. Je vous dis merci, continuez à prier pour moi, même si Paul, à Senga Kibabon de la Ponaye, a combien plus forte raison, moi, l'homme de Ésaïe chapitre 60, le verset 22, le plus petit de tous, le Galéria. Or, la prophétie dit, le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Merci beaucoup, pasteur. Merci, frère, sœur en Christ. Merci, Ndongondimi Olandabi Sonangonga Oyo. Que Dieu te bénisse. Sachez que celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout. Mais c'est quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce pour restaurer les valeurs spirituelles inversées. Merci à vous tous. Alain de la Porte des Gentils, merci de me recevoir encore sur ton plateau. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois qu'avant de toucher le point du jour, et je vais quand même toucher un point. C'est vrai, c'est une question qui revient de temps à autre. De comment on va la question. Et ça, Alain de l'évangéliste, il y a certains débats au Bissomoko. Soit tout le monde est en télévision, tout le monde est en cahier. Mais lorsqu'il reçoit ces invitations, pourquoi il y a beau yakate? Ils ont la surprise, ils ont la mort, ils ont la mort, ils ont la mort, ils face à face, ou bien ils ont la mort, ils ont la risque. Non, mais c'est une très belle question, Alain. Vous savez, la meilleure méthode pour transmettre la vérité fondamentale du christianisme, il faut se confronter à l'opposition. Ok. Ah ouais, parce que le sac ne rend pas les coups. L'intelligence d'un homme n'est pas démontrée quand il parle seul. L'intelligence d'un homme est démontrée lorsqu'il est face à une opposition. Pour éclater la vérité. Parce que donnez-moi la thématique. Parce que la Bible dit, étant toujours prêt à répondre à quiconque nous demande quelle est l'espérance de notre foi. C'est comme ça qu'on a dans le bateau, on a fait sa félicitation, on a dit ça, merci, tu es courageux. Et je pense à, il y a mon tueur Kakou Philippe, où tu as Côte d'Ivoire. Bon, à ça, ben, quand même courage devant tonton Jaco, tout ça l'émission. J'ai béni aussi, comme il s'est rendu pour une occasion, à Zoua Kapona, Avatar, qui s'est permis en deux émissions. Affronter nga. J'ai béni l'Éternel. Moi, je crois que du débat. Il n'y a pas que lui, il y a Pasteur Kass. Il y a Pasteur Kass que je suis dans le regret. Pour ce yoga qui va conseiller Nanga, mais le Lolo a se retrouvé dans la prison, il était 11 ans. Et pourtant, à l'époque où tu salais une mission, à Zoloba, je te maudis au nom de Jésus. Petit démon, petit sorcier. Moi, je disais Hosanna. Hosanna voulait dire quoi? Hosanna voulait dire que l'Éternel me vienne en aide face à Dikambo et Zoloba Nanga. Alors, quand l'Éternel est venu en aide, vous connaissez la conséquence, 11 ans de prison. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, la vérité doit être dite en accord avec le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche l'Évangile, exhorte en toute occasion, favorable ou non, car il viendra des temps. » Où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent, ils se donneront eux-mêmes à toute une foule de docteurs. Alors à partir de ce moment-là, en comprenant que moi, ma mission, c'est de se lever sur le média, annoncer les vérités fondamentales. A priori, on dit Bayoté. A priori, on dit Roboyayo. Mais tu es là dans le temps parce que la conviction appartient à Dieu. Donc, c'est vraiment une lourde responsabilité, mais je ne peux pas le refuser parce que si je prêche l'évangile, comme l'a dit Paul, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et sachez que le véritable étoile ne brille pas la journée. Le véritable étoile brillante ne brille pas à midi. Le vrai étoile brille la nuit profonde. C'est quand tout ne va pas, c'est lorsque les fondements du christianisme sont renversés, c'est la nuit. C'est lorsque politiquement les choses ne marchent pas, c'est la nuit. C'est lorsque les antivaleurs et continuent à faire, c'est la nuit. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, il y avait la nuit. La Bible dit Samuel demeurait dans la maison de l'Éternel. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Les visions étaient rares. Les révélations et la parole n'étaient plus fréquentes. Donc, dans le moment où on a le bakaté, n'est pas champion de l'image. Dans le moment où on a dit que ça, 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 on a dit que
babuni ba continue la distraction nzamba zoka moi na moko asina poso sel nzambe abimisi. Donc n'ayez pas peur de la nuit, c'est parce que c'est pendant la nuit que le véritable étoile brille, que l'Éternel fasse de même pour toute la génération on a été. Parce que Alain, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Au baza ma kasiko le ganga baza déjà la porte bazoya. Super bien, merci beaucoup. Alors j'aime cette façon, cette manière de communiquer. Alors, homme de Dieu, on va aborder quelques points. Comme d'habitude, touchons quand même au fil d'actualité. Parce que c'est d'actualité, effectivement, l'église Corps du Christ est en deuil. Nous avons perdu un patriarche, papa, pasteur Baruti Kasongo Beka, paix à son âme, qui est décédé. Quelques temps après également, il y a une servante de Dieu, épouse du pasteur Marcelo également, qui a rendu l'âme. Alors, nous présentons vraiment nos sincères condoléances. Et alors, ici, nous allons toucher sur ce qui est posté, en fait. Yeah. Je veux une vidéo qui est devenue virale. Bazo tiango, bazo tiango. Moi, personnellement, je me dis que c'est esa vidéo, zali, ma parole d'adieu. Je me pose la question, pourquoi? C'était quoi la motivation? Le circonstance dans lequel l'homme de Dieu parlait de la disparition de sa femme. Alors, on va quand même suivre cela avec beaucoup d'attention et on va revenir juste après pour commenter. Suivons. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, tu me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici à ma gauche. Chaque matin elle est toujours là et tout le temps j'aime prendre sa tasse, j'aime déranger quand elle mange na ka na zeli panaye na zabilo kunaye kaka loba kaka et c'est paysanga. Et si elle ne part pas na tumbula na chaque fois qu'on t'a na gauche na gauche azate. Quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, tu me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici à ma gauche. Chaque matin elle est toujours là et tout le temps j'aime prendre sa tasse, j'aime déranger quand elle mange na ka na zeli panaye na zabilo kunaye kaka loba kaka et c'est paysanga. Et si elle ne part pas na tumbula na chaque fois qu'on t'a na gauche na gauche azate. Quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vraiment, courage à l'homme de Dieu et aussi à toute l'église, toute la communauté. La compassion. Alors, évangéliste Roger Bakar. Bon, merci beaucoup. D'abord, premièrement, comme tout Africain et tout chrétien, nous devons compatir à la souffrance de notre bien-aimé. Normalement, je m'étais décidé de ne pas intervenir sur ce dossier. Mais cependant, la question m'est posée. Je présente d'abord mes condoléances et puis le plus sincère et le plus attristé au révérend Marcelo Tounassi et à toute la communauté compassion. Que l'Éternel et Dieu soit avec vous. Vous savez, Alain, dans des questions délicates telles que celle de ce que nous venons de suivre sur le propos du révérend Marcelo, je voudrais que nous allons à l'écriture. Hein, ça nous permettra. Nous ne pouvons rien commenter au sujet de cette mort parce qu'il traverse un moment très pénible. Moi, je me rappelle, après la mort, Alain et à Maman Abisso,
Parce que je me disais moi, ah j'aime beaucoup ma mère, ah mon maman Rosalate, j'étais en train de commettre une faute, mais je ne le savais pas. Ah maman Abiso, ah maman Sokazate, ah non qu'on revivre, ah maman Nangaye, maman. Et pourtant, nous avons tout à Kenda qui bokila, on a dit Tindinga, nous avons bokila. Et ça va la monte. Sauf que na chasse. Ok, bokila. Koke nena bokila moussouté. Alors, dans ce cas, je ne saurais pas commenter les circonstances de sa mort, mais je peux au moins tirer des leçons. Pour quoi fermer Bat Moussou. Voilà pourquoi, si nous voulons vraiment être disciples du Seigneur, Toke na Mukanda ya. Nous allons poser les fondements. Nous allons avaler les rouleaux. Nous sommes dans Job chapitre 3, le verset 25. Pendant qu'Alain Azolou Kayango, lisons la parole de Dieu. Et merci beaucoup. Jordan est déjà là. Qu'est-ce qui est écrit, Alain? Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, ce temps on a fait là, on a zobanga. Et on les a commis là. Exactement. Mais on a zo ndimate que koko melanga. Na kozango. Bana na nzambe otoyoka. Oyo na zo banga. Ce que je crains, yangonde ezokoma. C'est ce qui m'arrive. Ezokomelanga. Ce que je redoute. On a na ndimite redouter, c'est dire on on na zo banga komelanga to na zo linda kutite komelanga. C'est ce qui m'atteint. Yangonde ce que ezotutanga na katanga. OK. Autrement dit, aujourd'hui la première leçon à tirer, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un enfant de Dieu, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, il en mangera les fruits. Bon mot, il peut koufa. Et ça, la mouya, il y a l'iloba. Il y a l'olemo. Mais on a l'inda kama l'oba, on a zo répété en haut. A kolia mboumana en haut. Tu peux plus refuser. N'importe quoi en français, le vin est tiré. Il faut le voir. Alors, comme il a minuté au cœur, peut-être l'erreur que je pourrais dire, sans lui attribuer, le diable rôde tout autour de nous cherchant qui il va dévorer. Maintenant, quand le diable, il cherche à savoir où se trouve notre faiblesse. Parce qu'absolument, il faut arrêter le ministère. On se dérange. Où se trouve vraiment sa faiblesse. Et je pense avec beaucoup d'humilité et de modération que l'homme de Dieu en avait fait de trop. Il avait trop exposé maman. Il avait trop montré au diable où se trouva son talon d'Achille. Je le dis avec beaucoup de respect et avec réserve. De la même façon, vous savez, il y a une très grande leçon qu'on a tirée dans le livre à Esther. Alors, dans le livre à Esther, le roi n'a pas cessé de vanter la beauté de sa femme devant tout le monde. Mais le diable a compris. Pour la moto, il faut qu'on touche place monté manéza. Et faiblesse. Faiblesse à monter dans la montée. Alors, il y a Ndeko Marcelo et Monanaki. Il en a tellement exposé au point où le diable lui a fait dire ce qu'il craint. Parce qu'il ne croyait pas que Pierre, tant à Zolo Bana Jésus, que Nkolo, Koyasus Nambokanate Balukababu Mayo, Jésus a gagné lié. Alobine, hors de moi Satan, a bien démonté. Jésus a bien Satan dans notre apételo. Parce que Yonani, si vous êtes vigilant dans Malouba, on risque Satan le bilaute. Donc ça veut dire en d'autres termes, au moins les chers, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu de la mort. Il y a un moment où il y a un sacrificateur qui est dans la clochette. Clochette, Simba, Evaniti, Libanda. Si on continue à faire le sang de sang, et que si on continue de manière impure, on ne peut pas faire. La chair, c'est un endroit. Dans ce cas, il y a et comme il y a une chair, avant de mettre ma solo, il y a une Non. Je ne critique pas, je donne un conseil. La chair doit rester sacrée. Christo-centré. Sacré, Christo-centré. Je dis à la nouvelle génération qui vient. Bon,
vous ne comprenez pas que Satan, dans le Kanda, il y a Ecclésiaste chapitre 10, le verset 9 à 10. S'il a émoussé le fer, mais il n'en a pas aiguisé le tranchant, il faudra redoubler l'effort. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mort, faute d'enchanteur, quel avantage? C'est-à-dire, ce n'est pas un sentiment ni les alaki. Aux enchanteurs, aux soranyoka. Pour les soranyoka, les enchanteurs, ils ont coupé ta flûte, nyoka a bien ribosonné, mais bon, c'est pas la mazote chéité. Mais ceux qui nyoka touchent yo, les soranyoka ont coupé nos enchanteurs. Et si lui, sagesse d'Ecclésiaste. Voilà pourquoi je conseillerais Totanga s'entraîner là-dessus. Pe batoma na si babo tirer ma leçon. Arrêtez de présenter vos femmes. Parce que le monde de Bunda est un monde d'Abitumba. Les diables rôdent tout autour de nous. Ils ne cherchent pas qui tu es. Ils cherchent qui il va dévorer. Alors maintenant, face à cette situation, Alain, Maza Abitumba n'a pas résisté dans le ministère. Nazana ma film, ma film dans la télévision, n'a pas supporté. Mais ceux qui ont présenté moi, sinon, Baba Miko film, et surtout à l'ère de l'Internet. Aux Assyriens, vous êtes capable de supporter. Parce que celui qui reçoit le ministère, Otobengango, Ava, Moutoto Bagazamba Bengaye Akende, Azamoutoubo a bénéficié de la double portion, il y a onction. Moko est onction, il y a mandat. Moko est onction, il y a message. Il y a un moment à l'écambou, Moko est le lobby. Mais Moussa Nzamba le lobby, il y a Yoki, il y a ça, c'est l'onction du message. C'est la capacité de convaincre les gens au travers le message qui vient de Yoroshua Hamashia. Ce que je vous moi si au présenté, ton mwana au présenté, au lobby que au coco vivre était ce qui m'en a zaté, c'est ce que tu viens d'étaler devant le diable de ta faiblesse. Et par conséquent, le diable cherche à savoir. Alain Bello, n'a pas de mission lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Force à soi, que où tu vois lisons Proverbe chapitre 4, le verset 24. Bonne mande, l'ongolio na lolae. Yamande, kitisi yonanse. Kaka bolingwe nyokoli oboyero. Tu es mort au nom de l'amour. Holomoli kazaka yabo konzi. Ola tiye rambaya basalie. Kaka bato yolinga ki mingi. Mabaluki babeti yo fimboye. Proverbe 4, 24. 3. Proverbe 4, 23. À 24. On peut y aller? Ya, on y va. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et moi, là, je vais partir sur les autres. Battez la moté, moté. Que les cagnons. Hé, tu as un poumon. Tu as un estomac. Tu as une partie intestinale. Tu as un lobby proverbe à Zoloba. Batte la moté manayo ko le kanyo nyonso. Mais pourquoi la batte la moté matoke? Car de lui viennent les sources de la vie. Autrement dit, la vie peut qu'elle ne bosse, il faut pas source ça là. Vie professionnelle avec tambola, il faut source mon ça là. L'appel ministériel en accord avec Éphésiens 4 11 à 12. OK, merci beaucoup Gédéon. 24. 24. Balobi, garde ton cœur, batte la moté ma. Pour gagnon, pour la ni Nicolas Osenga non habi parce que on a quatre à monter malon de ba source né où? Yota. Ce qui osana mbouya côté à makasi ndenge ma ne commencer la salaka. C'est parce que asana source mon kokola pesaye. Ba dit tu peux hériter de ton père des richesses, de biens matériels et de maisons. Mais une femme vertueuse, c'est un don que tu as reçu de la part de l'Éternel. Alors, ce aujourd'hui moi si mon âme ouais, je peux ma source. Allez ba consulter. Pour faire bien le ministère, tu dois avoir un couple avec une femme équilibrée. Déséquilibre, c'est parce que conjugalement parlant, non, je suis dit. Nous tous sur le ministère, on a eu moins si équilibré, t'es vina et les arabes au et bas dans sa boue. Père, mon bonheur brille pas à quoi. Père, mon bonheur, je m'y m'a cassé à quoi. Pourquoi? La femme, c'est l'équilibre. Parce que dans Balobi, Dieu créa la femme, il le prit de la côte. Autrement dit, c'est Ozumakolo. Centre, c'est le côte. Donc la femme apporte l'équilibre à l'homme, comme la femme peut provoquer le déséquilibre d'un serviteur de Dieu. Ce qu'on a dit,
balaki sa kanganga na yo na miso abatu tenganga so travailler match balaki sa kaita tala match de ring vita même ta la sagesse du monde ne nous instruit pas sans pour autant l'appuyer. Yo mon avait dingwe et dingwe que je salue et dingwe so so kunda komba a ebisio que nazu mo si nanga na te wana so ganya nga zuaye papa c'est que bitumba le baby yeba que dingwe la lité pour côté que le mo si na zuaye te. Et c'est ainsi que balobi batte la motema pour monte place motema noza yango satan ko attaquer. Là où est le cœur de l'homme, c'est là où sera son trésor. Parce que maintenant, il avait tellement exposé son trésor que le diable a dit oui, le col la job, tu robot la yaka kabilo ko yazolinga. Na fo bomba ka mwasi. Et puis basi ba sen nzambe. Ko luka ka mini mini te ko saka na visibilité na kati église. Nous allons somona, soit ba lobeli o vérité to linga ngote. Paul a dit si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi, si je ne le fais pas, ben yo présenter dia bi. Ozoka maloba na ye salinga pasi. Arrête tari na mbeto boye. Hein? Azate. Mama zate. Est-ce que kokoka kokoka? Na kiti wana zalaka, atumbula ka tumbula kae. Tu vois que le diable vient de le lancer un défi. C'est maintenant que le ministère de Marcelo Tounassi commence. C'est actuellement, c'est en 2024 que maintenant, bah, au terme, ce qui a bien amanté, bien amanté. Pourquoi? Parce que le diable, lorsqu'il voulait faire chuter la foi de Job, il a dit à Dieu, c'est parce que tu protèges sa femme. Mm. Ses enfants, c'est pourquoi il te sert. Mais tant que ce qu'on a dit, Kende, yoka bien, Kende, toucheye, zobilo konaye. Simba Nyonso, même Oli Monègue aussi. Donc l'âme du pasteur peut être protégée parce que la continuité de l'évangile en dépend. Mais les autres, on peut prendre l'âme. Autour de l'homme de Dieu, on peut prendre la femme. Autour de l'homme de Dieu, on peut prendre les enfants. Mais maintenant, dans le cas échéant, moi je pense que Bassanaza Menos Tovandi Boué, j'en profite. Hein? J'en profite pour la repasser à conseil. N'abord, nous sommes pas de me n'abord, on a gardé le ministère. N'a pas eu d'en a été. Mais je crois que, n'est-ce qu'on a un monde, tu as représenté moi. Aujourd'hui, il y a des conséquences. J'ai dit même au prophète, à Olandanga, tu as causé la vie, maman, au président à Kaye. Parce que cela, tout le monde a l'élo. Et là, on est dérangé via Abraham. Moi aussi. Parce que tant que Kandi Abraham, place à qui on l'oublie pas Holia. Bah, ici, si, moi, c'est néatique là. Abraham a dit, mais ici, c'est Eliezer de Damas. A dit, même l'Éternel sait que je ne peux pas vivre sans ma femme. Allez, moi, si. Ah, papa. C'est la porte d'entrée. Là où le diable ne sait pas entrer dans la vie d'un homme de Dieu, il envoie la femme. Et quand la femme vient, lui vient après. Partout, vérifier. Moïse, elle est compliquée dans le ministère. Non, c'est pas là, je dois vous donner la réponse. Soit maintenant, le solo à Exode chapitre 4, le verset 24. Nous ne compliquons via Moïse. Moi aussi. À Boyaye, à la veille de la mission, dans la zone de la sous ma cassité, ministère et bébé. Nini, et bébé, sa vie à David, yo yebi. À tel malicolo, à tel massé, à mon immense sa zone de la aussi. La femme. Si le copain s'habille son maillet, était que bon le rebond barabas inabino. Regardez parmi les 12 apôtres, mini apôtres, battant à combat moi sinon. Jamais. Pourquoi? Parce que le lieu de prédilection par lequel le diable peut frapper un homme de Dieu, c'est son foyer. Donc, tu dis, moi, pour le nom des Anciens Testaments, et bon, moi, ce qu'on a dit, nous sommes les gars retournés, qu'est-ce qu'on a retourné? Mon cher, nous avons créé un ministère dans l'accessoire à moi cité. Alain, le lot est tout le monde. La manière dont on a passé, on a dit que c'est un peu plus de la musique. Si on a tout passé, on a tout foutu. Pasteur. Et là, on a un ministère de troubles, les collègues. Et on a un ministère de troubles, même agronomie. Alain, ce n'est pas foutu à la musique. Moi aussi. Qui n'est pas un passé, c'est un peu plus de la Tunaye kaka na kuku et là on y peine tungi ça on a ministère avant c'est l'agente féminine qu'elle n'est pas pasteur Jean Bosco Kindomba tunaye et là on y n'est pas dans l'église et l'ukaba problème na katawa le problème est là
S'il est sincère, il te dira, c'est la femme. Allez, vous allez avoir. Je suis là. Bon. Si vous avez un peu de temps, et là, on est compliqué compliquant la vie. En tout cas, moi aussi. Tu as un peu de temps. Mais c'est très utile. Je suis en français, les mal nécessaires. Alors, Bombaye, Nganga, Balakisaraï n'a pas tout. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui, tu viens de source de la vie. Et ensuite, la ressource est à vie, Zanine. N'est-ce pas en français, Tolobaga? Derrière un grand homme. Je cache une grande. Bon, non, mon mobile, maman, c'est ni moi. Premier ministre. Non, mon nom. Non, donc tu n'as atteint. Pourquoi? Là où le diable ne sait pas frapper maman, premier ministre, il va frapper papa. Et si la réputation est baby, va perdre le guan. Donc, je donne un conseil seulement. Dans le bilan, je ne sais pas si vous avez été bon, après mal, vous avez tout le monde préparé une élite, une nouvelle, tirant des leçons. Mais, je vous conseillerais, arrêtez de parler mal. Parce que ça, il y a, et il y a, puis ça, tu tires qu'à la leçon. Mais toi, profitez-tu dans les camboyo pour tout le monde vous critiquer. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je vous avais dit, aujourd'hui, on sera vraiment informé. Je vais prendre une autre vidéo. Cette vidéo également qui est devenue virale après la disparition de Papa Barouti. Vous allez comprendre que même l'attitude de fidèle, vous comprendrez qu'apparemment, il y avait mécontentement. Papa Barouti, pendant la prédication, avant sa mort bien sûr, il pose la question. Il dit, les gens lui posent la question de savoir si il mourait, qui va le succéder? Qui sera, qui prendra sa place? Qui va diriger l'église? Et il a bien dit, il dit, vous le connaissez. C'est mon fils. Ici, je pensais qu'il parlait d'un fils, un pasteur, un de ses pasteurs. Mais il a précisé, il dit, c'est Carlos qui va rester avec l'église. Il prêche bien. Et à la fin, il ajoute, Oro Silica, A Silica Nae. Alors, on va suivre quand même cette vidéo. Et après, on pourra commenter. Suivant. Mais si tu meurs, Bongo, Soki Okufi, qui va prendre la relève? Nanango Akokita Nanamosala. J'ai dit, Nalobi. Mais j'ai un fils. Nazali na moi, nananga mobali. Son nom est qui? Qui? Carlos. Moi nananga mobali azali kombo na ye ezali nani? Nani? Carlos. Carlos. Ezali Carlos. Qui apprécie son ministère ici? Banana ngo basetela ka na mosala na kote a botombola baboko. Prêche très bien. Atea Kamalamu. Si tu veux te fâcher, c'est ton problème. Azakotea Markasi. Il prêche durement. Abangaka motote. Il n'a peur de personne. Il prêche pour le salut des âmes. Atea Kapona Lobiko Abomo Yamato. Mais. Kasi. Je ne mourrai pas. Nakoku fate. J'irai en enlèvement avec vous. Nakoku kenden abonné ton ami et l'on a dit non. Je vous parle comme un prophète. Nazali kolobela bino lokola mosakoli. Je mourrai pas. Nakokufa te.
Nous irons ensemble dans l'enlèvement. Vous croyez à cela? Amen. Mais Carlos est comme un autre moi ici. Kasi Carlos, azali lokola ngai mosusu awa. Que Dieu soit loué. Zambe asanzolama. M'a donné un fils qui est prédicateur. Ndenga pesi ngai mwana moko ya bali wa azali moté. Voilà, merci beaucoup. Nous avons proposé la vidéo. Donc, je récupère ces vidéos pour te réfléchir tous ensemble. Évangéliste Roger Baka, vous avez suivi Papa Baruti? Bon, mes condoléances, hein, encore une fois, à la grande famille Tabernacle, hein, et puis à ceux qui ont perdu le papa. Je vais vous dire quelque chose, mais je vais poser le fondement. Je vais avaler d'abord le rouleau parce que, au moins, l'image à boyer, soit ça peut. Ça, les gens peuvent mal te juger, soit au lobby bien t'es. Alors, il faudrait au lobby sa Bible et ensuite au faire comprendre les gens le bien fond. C'est bon? On y va. Bumba, bumba, kaye. Oza papa na la moana, oye bien go malam. On va bien. Oui. On prend la pause. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Il y a les Kambolobi. Je l'ai dit à Ephésiens 1, 11. Ephésiens chapitre 1, le verset 11. Et je voudrais bien aimer dans le Seigneur. Je ne sais pas, mais actualité ecclésiastique, comme qu'on déborde dans Mboka Makasi. Tout le monde a une information politique. Et je pense qu'il est important, avec beaucoup de sagesse et de modération, de aborder un pour nous repositionner les chrétiens. Parce que les choses qui se racontent dans la rue, si nous ne posons pas les fondements, les gens vont raconter ce qui se dit dans la rue.
Et quand besoin qu'on c'est que l'information officielle devient douteuse. Voilà pourquoi quand le mal devient répétitif et comme on t'a dit l'église peut pas spéculer, c'est qu'il y a absence d'intelligence. Et pourtant la Bible elle est là. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 11. En lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est-à-dire, na kati na nkolo, biso nyonso to komi bakitani, bakitana, biso nyonso. Eza mutu moko te biso nyonso. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Sikoyo abongisa biso ayambo makambo salema na bokano na ye moko oya sala kanyonso selon conseil ya volonté na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà un peu deux trois choses que j'aimerais abordé ici. Premièrement, je voudrais dire, tant que vous êtes en Mukanda 11, Balobi Nene. Balobi, Yemé Moutou a commis sa mission à héritier. En soi, sauter dans la Bible, au moins, on a qu'un zombie à Abraham, père de la foi. Tel en a mabélé. Si tu peux compter le sable, alors telle sera ta postérité. Wane la Kissinine. Quand on a dit Abraham, le quoi on a poni, le quoi on a poni Baruti, le quoi on a poni, on a poni Sonic à foutre à Rockman, on a poni, on a poni Apôtre Mbiye Moulaya, père son âme, on a poni Jean Bosco Kindomba, le pasteur Mutombo Kalombo, on a poni Yopé le moindre Baka. On a commis à Bino Yon soit héritier Nanga. Héritier Zabato Bakozan Kita. Bobako Kitana. Mais la quatre bobo ko kitana, toza na Abraham postérité de la terre, toza na Abraham postérité du ciel. Alors il compte aussi les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Ça veut dire na nguya onza ba kotisi na kati ya Abraham, le père de la foi, Alain, et ça na deux sources, deux canaux ya héritage. Soit ekiti et pas moi na naye, mais moi na mo boko bo ya pété pour ça héritier. Tout comme moi na pe oya huti mikolo, c'est-à-dire bano baya na tabernacle ko sambela bato ba ndimela message ya muzai na nzambe baza pe bana. Maintenant la question se pose, okozwa vérité en version no zongela 11 botala siko ndenge bible lobi et ya expliqué les deux moyens ya kozeriti na 1 11, Ephésiens et Lobin, s'il te plaît, avalons les rouleaux, posons les fonds. Les fonds. Parce que bien aimé, Alain Tala. Ayant quoi? Ayant été prédestiné. Donc, bisognons. Naba no yaboti biologique. Naba o bandimeni zamena kati na matière naye. Bisognons to bongi sema poto sato nanini. Na résolution nani. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, ce qui résolution mouko rozoama. Et qu'on a la tête que, ben, on est d'accord en église. Ce n'est pas la résolution des hommes que Dieu agit. Hosanna. Ayant été prédestiné selon la résolution de celui qui opère toutes choses. Quand on a l'expression qui opère toutes choses, on aurait remarqué que, erreur y a liboso, résolution électorale, ben, on est bandimi, c'est une erreur. On ne choisit pas un homme de Dieu selon la résolution des hommes. Mais celui qui opère toutes choses, c'est qui? 1 Corinthiens chapitre 12. Ok. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Bien aimé, tout le monde est pour et permettre Bissot à tout le Tikali. Comment nous allons marcher avec Dieu. Ok. Selon la résolution de celui qui opère tout. Toutes choses. Retenez, celui qui opère toutes choses, c'est qui? Pour ça, à Makamounion. Ok. Ça dit que. Tous en a montumoko apona kabasali. Tous en a montumoko atia kabar remplaçant. Tous en a montumoko asala kapen la résolution naie. Chérie Azozila, les gens m'ont proposé de se verser. On l'occupe belé. 1 Corinthiens chapitre 12.
Le verset 4, 5 à 6. Soukanango 7. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fond. Ok. Ok. En Corinthiens chapitre 12, verset 4. Et là, il y a diversité des dons. Mais le même esprit. C'est-à-dire, bon, ma kabouza est belle. Et belle. Mais nous t'asons ça dans nos aranais. Ah, ah, papa, son qui s'accro. Pour que ne m'amoutez, s'il te plaît. Il y a quoi? Il y a diversité des dons. Ah. Mais le même esprit. Alain, vous remarquez même esprit. Esprit, ça est majuscule ou minuscule? Majuscule. Non, 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 sans autant la Bible. Au moins, il m'a commis un majuscule. C'est lui-même. Et là, ici, c'est Dieu lui-même sous la forme du Saint, du Saint-Esprit. Mais ce qui battait, et Yamoutié, ça parle de 1 Thessaloniciens 5, 23. Esprit Yamou, Yamoutou. Ce qu'on va lobby, hein, qu'on a trop vite. Tolobi n'a boucané Ephésiens 11. De celui qui fait tout, hein. Parce que toute chose va être diversité des dons. Dans la communion, sur un don. On t'appelle ça, on s'en va Saint. Et ça, vous toutez. S'il vous plaît, les hommes constatent, c'est lui que Dieu a choisi. Parce qu'il y a des manifestations quand Dieu choisit quelqu'un. Mais ceux qui ont lobby, et vous avez la nani, au supplice, il y a ça, et cet esprit. Tokoba. 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oh, c'est-à-dire, Ephésiens 4, 11, il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes. Aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement de ça. Ce que dans le but, tu as là le ministère. Pour la badon, mais ça l'esprit de Dieu. Mais pour le ministère avant, et ça y est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon nom de la salle. Donc, tenter une autre résolution, il y a encore mis à mon salut, relève de la compétence de l'usurpation du pouvoir de Dieu. Il y a un moment dans lequel tu as ça généralement. Oui, mais Samuel fut un grand prophète. Tokozoma, Samuel fut un grand prophète. Mais au moins, Samuel a remplacé. Moïse, que nous parlons ici. Azalaki, Moussa Nanzambe Mounel. Azalaki, peut moi, je me recommande Gershom. Gershom signifie car j'habite une terre étrangère. Dans Exode 4, 24, c'est cet enfant qui fut l'objet. Il y a séparation à papa et à maman à cause de l'alliance et de la circoncision. Mais est-ce qu'il y a Bimisa qui est? Est-ce qu'il y a un petit garçon qui est? Nazo ya, cause la mbangouté. Parce que Vandu Lobananda, déjà, oh, maintenant, Mazan souverain, à quoi pour nous y a l'ingi? Souveraineté en Zambé, et soukagana ma commis. Autrement dit, Zambé dans la nouvelle alliance, a coquille qu'on marchait à l'encontre des écritures temporanines. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 16, tel que complété par Jean 16, 14 à 15, quand viendra le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui. Il parlera des choses qu'il aura entendues au Père. Il me glorifiera. Autrement dit, il mettra en exécution ma kamoka keko et komama. Mais ce qu'on a qu'à eux, Deutéronome chapitre 34, le verset 5 à 7, Okiti, Ora Balobi, Dieu dit à Moïse, Kamata Josué, fils de Noun, pas ton fils, Josué, fils de Noun, sur l'oracle de l'Éternel. Mais autrement, il y a pasteur, c'est-à-dire appréciation personnelle. Nous avons critiqué, nous avons analysé. Vraiment, c'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait son analyse. A tout n'y a l'objet. Oh, à Théaka, bien, attention. Banga a fait un côté, il y a bien. Koloba français. Et la qui c'était que tu es qualifié pour le ministère. Mais Dieu reste souverain. Mais quand est-ce que un enfant peut hériter son nom? La grâce de son père. Parce que je vois comment le roi, moi, il y a Moïse. Ben, ça retombe l'année partout. Il y a les conditions suivantes. Premier point. Parce qu'aujourd'hui, dans Kinshasa, papa, il va comment critiquer. Il a évité. Il y a 5, 6 églises. Il y a comme le roi royaume. Il a évité de copier cet exemple. Non, non, mais c'est belé. Tu suis, par exemple, Nzambe Malamou. Moi, Nzambe Malamou, Fepako. Fepako, ça veut dire Fepako. Malamou, tu as suivi la salle. Et Rego, qui dirige. Tu suis le dieu de Sikatenda. Tu suis Rego, Nema Sikatenda. Oui. Tu suis, et pas, il y a Papa Mbiye Moulaya. C'est Moïse. C'est Moïse. Les lotes, Baruti Tabernacle. C'est son fils. C'est son fils Carlos Baruti. Et je crains. Et pas couple Olangi. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants également. Bon, maintenant, la question se pose. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs.
Donc il n'y a que de sacrificateur dans le modèle de sacerdoce, c'est Aaron. Bon, la sacerdoce royal, Obi Sonyonso, tout ça, sacrificateur et roi, nous avons Mazate. Voilà des choses que vous dites tout bas. Mais vous avez honte d'en parler. Le problème qui tue le pays, ce n'est pas que le mal est en train de conquérir l'œuvre de Dieu. Mais c'est que les gens qui doivent dire la vérité ont peur. On peur. Ça, c'est vrai. Même moi qui te prêche, ceux qui lobbyent, au moins, il y a Samuel Abaka, Eliel Abaka, même d'avoir remplacé, il y a un problème. Il y a un problème de patrimoine physique. Il y a un problème de patrimoine spirituel. Le patrimoine spirituel, c'est lorsque vous sommes église. Mais dans le combo, il y a l'église qui a commis cette parcelle appartient à la communauté, point d'interrogation, ou cette parcelle appartient à moi. Beaucoup de gens ont dit. Mais au coquille, on a le patrimoine, mais tabernacle. Et comme il y a moi, dans la mesure où c'est l'objet d'un appel de fonds. Attention, parce qu'on guérit ça, mes bénis. Ce n'est pas seulement le cas où on a le bilan. Il est évident, ce qui nous pendent, et comme moi, il y a papa Barouti, Carlos Aouzouango. Parce que c'est bon. Ce sont les biens de Dekius. Ce que c'est la communauté. Mais ce que c'est la communauté, ton Saint-Maki, communauté, bah, tu vas passer ma part, va contribuer, toutes tes tentatives de prendre le bien matériel, céder à l'enfant, et la tentative de vol devant les yeux de l'État. Mais cependant, l'héritage spirituel, parce qu'il faut reconnaître que Papa Barouti, c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé dans le don des guérisons. Azaki n'a dit Kabomagas. Et puis, quand il y a côté le matos, quand il y a côté le matos, répondre, attention. Tous les gens serviteur, tu es un serviteur majeur, tu es un auxiliaire. Moi, en tant que messager, j'ai le droit de porter une correction à Barouti. Mais une brebis n'a pas le droit parce que il y a Azali ministre auxiliaire. Le ministre majeur, c'est Jésus. Ah, tu sais, c'est quoi l'auxiliaire? C'est l'auxiliaire qui est l'obana, la vérité. Mais il y a qu'on le batte parce que personne n'a eu le mandat. Ok. Voilà pourquoi, en tant qu'analyste, je n'ai pas dit qu'on le voici les conditions à ce qui s'avance. Pour l'émission, quand même, il faut avancer. Pour hériter d'un ministère d'un homme de Dieu, il y a des critères. Premièrement, l'expérience personnelle avec Dieu. Deuxièmement, c'est la spécificité du message. Troisièmement, c'est la spécificité de vers qui Dieu t'envoie. Quatrièmement, c'est la spécificité de la mission à réaliser. Cinquièmement, c'est le point de départ en tant étant que ainsi dit l'Éternel. Et sixièmement, c'est le point d'arrivée, le lieu où Dieu t'attend pour travailler dans le cas de Jonas, ou à Kendaki, la Tarsis, ou à Kendaniv, à côté de nos problèmes. Voilà maintenant ce que nous avons dit, que nous faisons la Bible. Quand on a Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16 à 17, au moins, on a comment Kolo a détaillé Bilokoana. Qu'as-tu vu, qu'as-tu entendu? Les deux messages. Si tu n'as rien vu, Kolanda Papa l'autre, c'est la voix de la mort. Si tu n'as rien entendu, Kokendete, il faut Mona et Loko, Ningalobin Abraham, Abraham, projette le regard vers les septentrions. Ah, à la qui suit Loko. Oyoki Pomoni. Mais malheureusement, ce que nous vivons, ils ont bien été. Alors, conclusion. Devons-nous refuser ce qu'il a dit? Devons-nous accepter? Et au cas où l'église a refusé. Maintenant, c'est là où l'église va tomber dans l'erreur. Parce que la Bible dit, deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié. Papa n'a dit, nous serons comme ça, Alain, net Alain aux Zaboué. Au Botibana, moi, je suis bien, je suis bien compliqué. Maman, je suis bien, ou bien, je suis bien, je suis bien. Parce qu'il n'y a pas des enfants naturels. Bano le moti nanda wali bala. Aussi longtemps qu'on est vivant. Soyez par au sein de la nature, il y a moi na wana. Basta l'ango pendant que tu es vivant. Soyez qui dit qu'on m'a boya. Fallait pas boya, moi, papa, bah, tu es là qui vit vivant. Mais à la koufi. Bah, qui boya ce style. Oya kote lema. Toi, l'oba, bah, tous nos jours, bah, l'oba, nous allons qui wa. Tu n'avais pas l'esprit de Dieu pour t'opposer. Effectivement, c'est un aïpé batou. Malgré les aïmabé, si quoi, on a côté les mains, aïe baka télé, mais l'oba, moué, y'a moué, aza la sûre qu'il n'y a pas d'année. Voilà les problèmes que tu as en akata l'église. Y'a un ancien, c'est-à-dire que faut multiplier des missions, y'a qu'on enseigne le peuple de Dieu, la parole de Dieu, pour avoir un peuple mature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me reste
la dernière vidéo. Dernière vidéo, je pense que nous balançons na souka. Ici, on va parler quand même plus de la musique, parce qu'effectivement, la musique dite chrétienne, gospel, c'est une musique effectivement où il y a aussi beaucoup de doutes. Il y a plusieurs questions autour de cette musique, mais on parlera quand même de la classification. Yeah. Alors, Alain, ouais. Et puis que la Bible, mon musique est ça. Mon musique est ça. L'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Mais le chrétien ne reste pas dans la combinaison des choses de manière à plaire à l'oreille. Chrétien, c'est l'autorité. Chrétien, c'est à trois autres éléments. Quels sont les éléments? L'édification. L'utilité et l'asservissement. Or, dans la Bible, il y a une musique qui peut être comme tête. Parce qu'il y a tout un livre qui est consacré à la musique. C'est le livre des psaumes. Et où tu as l'étymologie hébraïque, psalmoïe, c'est-à-dire penser et chanter avec une corde vocale. Il y a même un psaume, na équivalent na yango hébraïque, louange, traduit en français par louange. Mais maintenant, est-ce qu'il y a type de classification parce qu'on va chuter par là? Il faut d'abord savoir que la musique se présente comme une prière. C'est un poème. Ce sont des prières adressées à Dieu. Et étant donné que c'est une prière adressée à Dieu, la canonicité de la musique dans l'Église révèle une importance capitale aux Anna. Il y a un moment attend à Zoyemba, il y a la prière. Aujourd'hui, il y a un moment où il y a un moment où il y a quelques chansons, il y a Mike Alambay. Quelques chansons, il y a Laure Mbongo, il y a Denis Mondé, il y a Matou Samuel. Il y a des chansons comme Ozo Kango, c'est comme une prière. Et Rongo Sambela Malobe Bungio, Ozo Nzembo, ça fait office de quelqu'un qui s'adresse à Dieu. Na yena peso parti mon ko. Yo muto mesana na go santu. E banda boni yo koma lisumu. E ya yana nga yo bongi na yango teo. E zanga na merita ki. Getsemane. Sonyo yo. Nakani sing zele kulusu. Yango poni ni bate bele boye o. Pasangeli moto se moko. Asali bango nini e. Tara mosu swa kamati soi. Ya ebere na monoko na ye o. Asopi yango se nelungi. Nelungi oye ya mwana na mpate. Oya mesana koseka. Oya mesana kolimbisa. Ya ya na ngayo bongi na yango te o. Et ça m'a donné un mérite qui soigne. Bisso total lié. Oh papa, total lié. Moninga mal. Zamba boye, tozoye wapie. Oh papa, total lié. Moninga mal. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso yo. Bomba manzamba, ebo bomba ni wapi. Satana luki alende. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso yo. Yewana, yewane. Yewana, kuna nanlola. Yewana, yewane. Yewane, kuna nanlola. Mobali oyo olongi sanga ye. Oyo wakomi sanga bite ya teya. Oyo wakata kama kambo nanga ye. Yende Yesu masiya napona. Oyo wakomi sanga bite ya teya ye. Yewane mobali libala. Sambe nanga inambete la katulu. Yewane mobali libala. Yozali nzambe na mawa ngaina tatoli nguluna yo poli monayo pona ngai yetindi nangumba milayo kolo yolingi mamingi namuni yango na mbomo ina ngai wana nazala kimitele nganoho. Iyoro kota kinga yosu kolingai.
Yo komi si mai mwana na yo. Na kopesa na yo nini. Pona manso yo sale lingai. Na zongi sela yo nini. Alende le zamba pambolo. Amen. Tiye dinye. Tiye dinye. Oh tiye dinye. Oh tiye dinye. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les écritures. Elle souffle dans la main de l'homme. Il faut qu'on dise. Amen. 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 Souffle. C'est le télémi. Ah. Quand on a dit que l'on 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 a dit que. Il y a aussi une belle chanson, l'artiste a comment la poto. La musique d'instruction. Mm. La musique d'instruction, et un type de musique au Moyen-Bi, parce que au moins dans le baron, la musique est chrétienne, la musique est religieuse. Attention, la musique religieuse est différente de la musique chrétienne. Faut te la clair. Mm. Comment ça? Voilà. La musique religieuse chante la religion. La religion, c'est l'ensemble des pratiques, des dogmes, qui sont transmis de génération en génération, qui mettent en relation l'être humain avec la divinité. La divinité. Donc, nous avons la religion, avant de la Yahweh. La musique religieuse. Avant la musique est religieuse. Et nous avons là à quoi aime la paix pratique n'a pas mon cas la carte religion. Bon, ma religion c'est belle. Tout ça, le judaïsme, c'est une religion. Tout ça, le kabbalisme, c'est une religion. Tout ça, le christianisme, c'est une religion. Tout ça, l'islam, donc tout ça, l'église catholique. Donc, ce qui nous aime, l'être humain par rapport à la divinité. Ma précision était Dieu, mais on dit divinité. Na carte de divinité, il y a des ceux qui adorent le soleil. À quoi aime la moi. Ce n'est pas la musique chrétienne. C'est la musique religieuse. Et par conséquent, la musique de profanation, communément, la musique païenne ou la musique profane. Non, ce ne sont pas les instruments qui sont profanes. Parce que même la drum, on a bête à la musique religieuse, ils ont drum bête à la musique chrétienne. Maintenant, la musique chrétienne, elle est spécialement focalisée sur la louange et l'adoration du Christ. Hosanna. Hosanna. Psaume 34, 33, le verset 1. Posons le fond. Le fond. Ah, voilà le. Le roule. Ah, bien aimé dans le Seigneur. L'andaka. Ah. T'es, oui, que. J'ai noyé ma tête. Hein. Faut te ma beaucoup, hein, j'ai d'ailleurs. Jordan. T'as la Jordan. T'as la rapidité de l'écriture. Ben, comment tu as dit Jordan? Il y a même tabu, ça va verser où? À l'intérieur. Musique chrétienne. Psaume chapitre 33, premier verset. Yeah. Juste, réjouissez-vous en l'éternel. La louange sied aux hommes droits. Bon, on a les conditions musique chrétienne. Juste, ce n'est pas l'objet, c'est le sujet. Et comme il se au bateau, il y a une langue. Bon, c'est pour la carte, dans quoi? Louange. Et Seigneur, il y a un aux hommes droits. Hein? Donc, droiture. Alors, qui est celui qui est droit? Si ce n'est celui qui a le droit en lui. Qui est celui qui est sage? Merci beaucoup, Jordan. Si ce n'est les grands sages qui habitent en lui. À Dieu, c'est le sage. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Autrement dit, yamboyo va nous rendre à poser au yembe la dame. Il faut la racheter. Donc, on a deux types de louanges. La louange des rachetés et la louange universelle. Psaume chapitre 150, le verset 6. Que tous ceux qui respirent louent. L'éternel. Autrement dit, dans la musique religieuse,
à tout ça qu'on appelle ma loué na yo bah qui pète le lingue yosa mais respirer kaka mais la musique chrétienne bah on dit juste qui est juste si ce n'est celui qui a la justice en lui. Or la justice de Dieu faite homme c'est Jésus Christ de Nazareth. Donc la musique chrétienne demande d'abord la joie. La droiture. Quand on va te dire que nous avons un bizarre, nous avons occupé. Mais si tu as un mouton, il y a un moment où il y a un bâton qui est en église. À l'exemple de King Kester. King Kester est mené. Ah, comment et héritier, tu as un récent. Héritier, tu as un papa, Wemba. Qui d'autre? Ils sont en manger bien piano. Mais ben, oui. Mais est-ce que tout le pourquoi la musique wana et ont un sacerdoce? Pourquoi même dans la catégorie? C'est parce que la personne qui le chante publiquement n'a pas fait confession des actes de foi. Alors, il y a un et par conséquent, ils ont dépeuplé les camps de Dieu au lieu de peupler les camps de Dieu. Moi, je pense la musique est bêta. Il y a un juste, réjouissez-vous. Parce que la quatre classification, première classification de la musique, notez. Ça s'appelle la louange de supplication. Ou psaume de supplication. Ou psaume à l'appel de Dieu. Qui vient au secours dans la détresse. Banzembo wana pe eza banzembo moko eza ka très important. Et d'ailleurs, il y a plus de 45 psaumes sur le 150. Et c'est la cas psaume de supplication. Qu'est-ce qu'on entend par psaume de supplication? C'est-à-dire que le chrétien se retrouve dans une situation de détresse. Il dit, les koufi. Quand échéant, peut-être, moi, c'est un koufi. Je suis un koufi, je suis un babeli. Je suis un anaté. Je suis un anaku. Malade, je suis un koufi. Dans ce cas-là, Moutoyo a fait une prière à Rosala Alain. A quoi il y a un moyen de nous sortir de détresse. Autrement dit, le chrétien fait appel à Dieu dans diverses situations, telles que la maladie, telles que la persécution, telles que le complot contre lui, telle que l'attaque des ennemis, telle que la défaite militaire, ainsi de suite. Et vous avez beaucoup de psaumes. Et ça, la carte ordre, voilà. Au coquipé, au yemba yango, la place à prière. Mais ça, la zembo moro, la kisinga yao. Et allez. Yama la moro, yemi zembo. Osoma la sala supplication. Et zembo wana, la nebo nana yana zala claire. Je commence d'abord par remercier Moïse Mbille. Dans le concert à Betty, dans le Katanga, dans le Lubumbashi. En tout cas, dans le fort Natalango, dans le Moni, ni panneau, ni entrée mystérieuse, ni quoi, il faut avoir le courage de dire à quelqu'un félicitations. Parce qu'il y a Bangui Bissoté, Mayoki Nzambe, a évité de bloquer son prêté à l'interprétation. Et nous t'encourageons. Tant que nous sommes dans le Mike Boué, Mike m'a sollicité. Le fait que quand l'oba qui na TV, qui na zala comme toi, na moni que non, na denga sagesse de quoi ça pour ça disongi. Je me dois de venir intervenir parce que na souka, na ola qui ça aussi aussi ça la concerne babanda kanani. Et babanda kanani le mignon c'était Alain. Le peuple périt faute de connaissance. Concert ya créé ya la chrétien et ya na désordre été na denga nyos. Psaume de supplication. Moi na mon c'est pelé singa ezana. Je crois que c'était en Bougimaï. Et ça, en Bougimaï. Oui, en Bougimaï. Ok, je te laisse la place avant qu'on ait un psaume de reconnaissance. Alors, on va mettre la vidéo. C'est la dernière vidéo d'ailleurs. Donc, ce jeune garçon qui interprète le pasteur Maïka Lambaï, en sa présence même. Vraiment, il était ému de joie. Il était sans mots. Alors, on va revivre ces moments. Une très belle chanson que moi également j'aime. Et je pense que. Et une chanson qui va nous bénir ce jour-là au stade de martyr le 27 juillet. Que je souhaiterais n'a yoga. Voilà, vraiment, dans un répertoire, pasteur Mike. Comment on s'en est en train de voir, s'il te plaît. Alors, si nous parlons le même langage que la réalisation, Jordan, propose-nous la chanson. Kafula maba mulunda muyambe chabati babona leza leza mukatampe ya ulenge byantumbo mulunda muyambe fumo abanze uwa bingelele ndukemo uwa mitata ya ulenge byantumbo wa ubazote usindaji wangu takimbilia wapi paka kwako baba. Wow, wow, wow. Oh, papa,
Non, le petit, félicitations. Félicitations, très cher petit. Il est fort. Petit, avec la guitare, la lutte dans mon ordre. Ding, 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 ding. Il est mon abéti en haut. Et puis, à ce moment-là, pas de danse. Vous voyez, c'est ça quand tu chantes Dieu. Quand tu chantes Dieu, ça reste pérennisé dans l'esprit des hommes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils entendront ma voix, même au travers d'une chanson. Bisote, yon, amay, namiso. Shadai kulukaye uninga malamu zambe nabika mwa elombe mobali yesu yesu mesia kumu monene elombe biso totale liyoye oh papa totale liyoye uninga malamu. Maintenant Alain, jamais encore convoqué batu na sainte convocation à louange sans au préalable au même bango la prière, il y a repentance. Parce que pas tout le monde est en présence, il y a un zambé, il y a un bon sangana. Et comme ma koufa, tout comme quoi, comme ma pépon moi. Toi, quand même, on a mon kandaya. Ah, je crois, un chronique. Hein? Chronique. Ok, ok. 13-9. Un chronique, chapitre 13, le verset 9. Lisons la parole de Dieu. On a un psaume, il y a une supplication, il y a une reconnaissance. D'autant que Sangani Boye, notre programme est bon à mon stade. Il faut toujours attendre. Il y a même ça, parce que tu es bien dans la bataille. Bible l'a dit, il appela les Lévites et les Lévites se sanctifièrent. Ce qui est un peu là qui, faut payer sa pétan la bataille. Balongo la suivre, il y a esprit, il y a âme d'accord pour permettre que la vie de Dieu passe et que le miracle s'opère. Toké Alain. Chronique chapitre 13, verset 9. Verset 9. Totangi, merci beaucoup. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. Au moins, basulikanisite, tosangana. Je crois que tu avais une question à la fin que je vais profiter de répondre parce qu'on est lié tout une soukarate. Et nous, nous célébrations à cause de sa arche zongi. H qui incarnait la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. H, où est-ce qu'il y a qui est lié? Ma fils est Bakimi, ma babo Tolayango. Même au Kolobasu, il a raison qu'il s'est en haut, Bayem de Bazalaki, Badanser Bazalaki, mais Basse sanctifié à quitter. Plus, Bakamatisko H, Batiango, Namukongo Yabanani, Yabameme, Yabambombe. Non, Yabanio qui n'est pas H. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les critères, le respect des sacerdotes. Merci, Tosongin de Rolangaï. Alain, oui bien, oui la chorale. Libéraza. Que repèse. Alors, na profite l'occasion de Zamaï. Toi, tu peux te sanctifier. Mais il y a des gens qui sont il faut que c'est ça. Babulissama. Babulissama. Sinon, tu vois le roi, ben même, bangombe. Et Bible, au fil à mesure, il y a H, c'est Jokede. Donc, au fil à mesure, il y a Bazobina, Kandazambe, et Zobenda Arch. Dieu provoque toujours une situation. Bible lobi, ne vous y trompez pas. C'est à cause des choses pareilles que la colère de l'Éternel s'abat sur le Fils des hommes. Faut pas m'y péter là. Ce que toi, m'y péter là, qui t'es, au quoi remarquer, c'est quoi Alain, pour toi aussi dire ça, au Kena Mukandaya, 1 Chronique, chapitre 14. Oui. 15. Non, n'a qu'un. Dans verset 15 à 16, s'il vous plaît, tout en bas. Je crois qu'on va finir par là. Chapitre 14. Il y a. Verset 15 à 16. Tout en bas. 14, 15 à 16. Alors, on lit la parole. Tu entendras un bruit de pas dans le cime de mûrier. Alors, tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. 16. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gezer. Dieu lui-même avait ordonné. C'est-à-dire que tout le monde qui nous a dit,
1 Chronique chapitre, la dernière référence que je t'ai donnée sur Chronique. 15, chapitre 15, verset 26. Tu retends la 26? Parce que je pense que tu as commis la souffle. Chapitre 15. Verset 26. À 27. Il y a ses filles. Ce fut avec l'assistance de Dieu, que le Lévite portèrent l'arche hein? De l'alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Et tu verras dans la suite des temps, merci beaucoup mon frère, on remarquait que ce fut pour la première fois que la première fois David a établi Asaph. Asaph faisait un ministère dans la Bible. Pourquoi pour Bible ça c'est fait pour la première fois parce que maladie bon ce temps baya qui zangi lo yenge to yemba kaka oya robina bina oya romela mela oya ça la ventila ça non Dieu n'est pas une rencontre de fourre-tout. Il faut respecter les ordonnances que Dieu donne. Là on lance au côté première chose faut to banana na prière à repentance et ça la foule les andingeni. Il faut to même ma peuple à confesser de sa bouche à Saint-Amand. C'est alors que tu as un psaume de reconnaissance. Ensuite, tu continues un psaume. Il y a mis de reconnaissance. Ou bien, dans ton cil ici. Psaume de louange. Psaume de supplication. Comment tu as un psaume de reconnaissance? Tu as un psaume de reconnaissance. Tu as un psaume de reconnaissance. Bango bako makolo bananga lobi kona yo api tokotara siko Mike fatala na repertoire na ye zembo nini eza fongola likolo laki sangu ya no yankembo tantu lumwana to kote psaume de reconnaissance apprendre tokokota le psaume de réjouissance. Alors ko ya mara mokote babina utana lola papa respecter procédure et on s'approcher dans colo. Voilà un peu. Maintenant, on va préparer. Voilà, merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. La toute dernière question. Yeah. Ce genre de concert populaire, qu'est-ce que ça peut apporter à la population? Premièrement, ça peut apporter une solution à un problème que vous avez dans la nation. Okay. Quand on célèbre l'Éternel, il y a sa présence qui vient. Attention, la louange transmet la présence de Dieu parmi les hommes. Le premier bénéfice, c'est que vous avez la présence de Dieu. Et là, quand vous avez Moïse, vous avez dit que 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 autrement dit, si les ordonnances sont respectées et que le sentiment est longué, on met chacun à sa place. Avec sanctification, alors, la première des choses, c'est le Congo qui bénéficie de la présence de Dieu. Et ce sont les nations voisines, comme moi, sur le Baki, moi, dans mon bamboa, Yamikie, Balia, Ragama, Pozo, Kouya, Nassé, Amessa, Soki, Banabatu, Bazolia. Donc, même Brazzaville, même l'Angola, peuvent bénéficier de la grâce de cette louange. Donc, c'est un rendez-vous à prendre très au sérieux, parce que, Tolingite, en fait, c'est que nous ne voulons pas. Tous les youtubeurs, autres, Ragama, pour nous critiquer. Quand tu sens que tu as quelque chose à donner, viens donner. Même si on refuse tes services, au moins tu auras donné tes services. Voilà pourquoi j'insiste maintenant. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une musique qui fait danser la chair. Kakaboué, kakaboué. Kakaboué, hé, kakaboué. Ok, kakaboué, kakaboué. Papa, kakaboué, ndigeni. Kakaboué, hé, ma bine, ou tena, hé, 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 hé. C'est tena, iba, ko, iba, hé, hé, hé. Logique. Voilà, la musique apporte la, le bénéfice le plus grand, c'est la présence de Dieu. Il y a un moment dans l'assemblée, la vandine a bandi. Amina lele yo, amina lele yo, amina lele, amina lele yo, amina lele yo, amina lele yo, amina lele, amina lele. Mana bele liyo, elike basantue, amina lele yo. Salamba na mona yo, amina lele yo, amina lele yo, amina lele yo, amina lele, amina lele. Na sepeli, parce que la femme Tamara Rosala. Ya bebe bebe la nana na bele la Yesue. Ya yimbe yimbe la nana na tali la yo ya ya.
A préparé l'entrée de Sa Majesté le Roi de Gloire. Femme Tamar, Kola Pambolo na yo kayo. Je t'écoute. Kola Pambolo vino. Amen. Merci beaucoup. Alors nous prenons rendez-vous le 27 juillet au stade de Martyr. En tout cas, soyons nombreux. Tozala ebele 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 somba billet na yo 2500 francs. Mais pour la billet limbisanga na zo insister. Olimbisanga na katio te. Papa Roy. Cordon. Frère Mike. Soy boyo kanga na forcer mutute na sengi en raison de matière 18. C'est comme jour wana. Soy batwa somba ki bosi saka wana. Les jours J, tu vas nous faire. Ok. C'est une demande. Donc, bonjour, Mofta. Mana Sengi, parce que lorsque vous mettez les billets à condition, Tim Kodwa au Kota, or, la guérison miracle est de la manifestation gloire de Dieu est de la. Mais là où l'argent a été payé, nous avons dit si Simon, va, meurs avec ton argent au travers le prophète apôtre, car tu ne peux pas acheter la bénédiction de Dieu à prix d'argent. Donc, tout ça, et ça, l'organisation a dit non, mais tu as fait ça conseil. Ce qui est communiqué le 16, communiquer les gars dans la TV, tu as fait, il y a des gens qui ont. Parce que Dieu, ce qui est glorifié, c'est que tu as fait ça. Mais ce qui est glorifié, c'est que tu as fait ça. Parce que tu as combattu les gens qui ont fait ça. Mike, on veut ta concert, tu peux la plein. On veut ta concert pour respecter la cérémonie et puis nous avons fait ça. Point. Deux ou trois. Attends, tout ça dans le stade. Ça va. Et bien, nous avons fait un visa à côté. Si on visé plein, on va dire que ça va rapporter ce pays à battre. Allez, limite, ça va être une conclusion. Faisons les choses de manière à faire descendre la présence des dieux. Cela nous suffit. Merci. Super bien. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que nous allons nous retrouver très, très prochainement. On va chiter avec la pub, annonçant bien sûr cet événement du 27 juillet au stade de Martyr avec Pasteur Mike Kalambayi. On se retrouve très très prochainement. Merci homme de Dieu d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie. Apôtre des gentils disposés pour le service. Vraiment, merci beaucoup. Sinon, attendez, le nouveau numéro des commandes décodées viendra. Alors, et dès que homme de Dieu vous a l'après, on va quand même vous servir. Merci beaucoup à Jordan Panzuketo Fourré au Moulin. En tout cas, on se retrouve prochainement. Encore une fois de plus, page rose, joyeux anniversaire à Christon Vingongo. Et méthode Akawa de la part de Jordan Panzo. On se retrouve prochainement. Bye. Bye. C'est bon? On y va. Bumba, bumba, kaye. Oza papa na za mwana, oye bien bon malam. Hé, maman! Oza bien? On prend la pause. Merci.
Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.